de foi, parce que vous savez, tout le monde peut parler de la foi. Tout le monde peut parler à ce qui concerne la foi. Mais nous avons besoin de la foi audacieuse. La foi qui correspond au Créateur. La foi qui ne limite pas Dieu. Mais la foi qui met Dieu à la place qu'il faut. Alléluia. Donc ça dit, si nous sommes avec Dieu, je voudrais vous apprendre, cet homme qui était en face d'un ange n'était pas n'importe qui. Il était serviteur de Dieu. Mais il était incapable de croire que Dieu est capable de donner naissance ou de donner la fertilité à un homme dont l'âge est déjà avancé. Comme il était prédicateur, il était capable aussi de parler des femmes qui avaient des difficultés. Mais lui-même avait des difficultés de croire. Peuple de Dieu, si nous voulons marcher avec Dieu, faire des grandes choses dans cette ville, tu dois avoir la foi audacieuse. Ta foi ne doit pas dépendre s'il doit pleuvoir ou pas. Ta foi ne doit pas dépendre si tu as l'argent ou pas. Ta foi doit être accrochée à Dieu. Parce que celui qui regarde Dieu, celui qui observe Dieu, ne voit pas l'influence de ce monde, ne voit pas les réalités de ce monde. Il croit de quoi est-ce que l'Éternel est capable de faire dans sa vie. Nous voulons finir ce message parce que tu peux être un enfant de Dieu, ta foi, si tu connais combien Dieu est grand, ta foi peut dépasser un pasteur. Ta foi peut dépasser un apôtre. Ta foi peut dépasser un archibishop. Ta foi peut dépasser des grands serviteurs de ce monde. Parce que tu ne crois pas à un homme, mais tu crois à un créateur. Parce que la Bible nous a appris, lui, il était souverain sacrificateur. Il entrait même dans l'endroit où d'autres personnes ne pouvaient pas entrer. Il a vu même quelque chose que toi tu n'as jamais vu. Il n'a jamais vu l'ange dans sa vie. Mais lorsque l'ange lui a annoncé que ta prière a été exaucée, ça devient des complications pour croire. Pourquoi je dois croire à cela? Comment cela peut arriver par rapport à mon ange? Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Pour mieux comprendre ces choses, bien que l'ange ait été avancé, il était un homme et il avait une femme. Donc cela veut dire que c'était possible pour un homme et une femme pour avoir un enfant. Donc ça veut dire des miracles en réalité, c'était seulement l'accomplissement que Dieu a accordé. Ça ne revient pas de l'impossible pour lui d'avoir un enfant. Nous continuons pour que tu comprennes le mystère d'aujourd'hui. Parce que le mystère d'aujourd'hui doit te comprendre que le Dieu que nous prions, il est au-dessus de l'impossible. Il dépasse l'impossible. Si le possible est là, notre Dieu est plus haut. Il est encore plus haut. Il est encore plus haut. C'est pour cela que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Quelque chose que tu ne crois pas, tu ne verras pas Dieu agir et le faire. Vous allez voir, quand vous êtes, si vous n'êtes pas des hommes de foi et des femmes de foi, des gens, lorsque vous allez sortir, vous serez facilement influençables parce qu'ils peuvent affecter votre foi qui commence à germer. Ils vont vous dire, vous allez le faire. Oh, mais pasteur Jean-Félix, il ne travaille pas. Comment il peut avoir l'argent? Mais si je vous dis les choses, je dis que l'agence nous a demandé 3000 euros. Tout le monde va dire 3000 euros, mais nous n'allons pas rester ici. On doit qu'à partir, laisser des micros parce que ça devient impossible. On ne peut pas le faire. Moi, je n'ai pas peur. Je ne regarde pas ces choses-là. Je ne vois pas le travail ici-bas. Je ne vois pas ce que les hommes peuvent donner. Mais je vois un Dieu. Je vois un Créateur. Je ne lui mets pas les limites. Je ne lui mets pas en bas. Je sais qu'il est en haut. Je sais qu'il a créé des choses. Prière d'enfantement. C'est ça notre thème. Nous continuons notre thème. Je n'ai même pas de limite à Dieu. Je n'aimerais pas que vous soyez des mains, si vous êtes dans cette assemblée, que vous soyez des enfants qui mettent des limites à Dieu. Dites-vous dans votre vie, Dieu n'a pas de limite. Si je crois que Dieu n'a pas de limite, pour vous aussi, il n'y aura pas de limite. Peuple de Dieu, la dimension que je crois en Dieu, je t'apprends seulement la main pour que tu comprennes. Tu peux le faire. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez des factures à payer pour la maison. Vous avez la maison à payer. Vous devez manger. On te paye l'argent. Tu mets tout pour Dieu. Tu peux le faire?
Voilà, vous me regardez? Alléluia. Peuple de Dieu, si tu prends Dieu dans les grandes dimensions, ce n'est pas la maison qui va manquer. Ce n'est pas, tu n'auras pas l'impossibilité de payer la maison. L'Éternel dit, mets-moi en épreuve. Moi, je ne tremble pas avec Dieu. Je ne vois pas des chiffres ou des millions. Je vois Dieu au-dessus des millions. La Bible me dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Si je prends mon salaire, ne vaut rien par rapport à la richesse de mon Dieu. Si je dis, je mets à l'épreuve, le mois va passer et je ne vais même pas mourir de faim. Et je ne serai même pas chassé. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons entrer dans une dimension très grande. Parce que l'œuvre de Dieu, que Dieu a mis devant nous, est tellement grand. Il faut être un homme ou une personne de foi pour entrer dedans. Toi, tu veux aider Noé à construire l'arche, tu n'as pas la foi. Quand on va te dire que tu es fou ou folle, tu vas fuir. Pour aider Noé, il faut être quelqu'un qui connaît Noé. Qui sait que Noé, c'est un homme qui parle avec Dieu, qui est en communication parfaite avec son Créateur. S'il commence à faire quelque chose, même si les gens parlent, même si les gens disent n'importe quoi, lui, il a l'assurance. Marc chapitre 16, verset 17 à 18 du nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ici, acclamons pour la parole de Dieu. La Bible nous vient nous dire, voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront le démon. Dieu parle, Jésus parle au pasteur. Il dit des gens qui ont crié à son nom. Ils chasseront des démons. Aujourd'hui, peuple de Dieu, avant de progresser, beaucoup d'enfants de Dieu sont même, ça me fait il y a des fois mal, sont même séduits parce que ils se sentent même incapables de combattre avec l'ennemi. Quand ils voient un cafard chez lui, ils crient des honneurs de Jésus. Ils oublient que Jésus lui a donné aussi cette autorité. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, comprenez que chaque jour dans ta vie, il y a un miracle qui t'accompagne. J'aimerais te dire ici, ainsi ceci. Si le diable te dérange plusieurs fois, il ne parvient pas à te tuer parce que tu arrives à vaincre le diable tous les jours. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et regarde, hein? Quelqu'un qui vient pour me tuer, on fait seulement un combat. Est-ce qu'il a gagné? La Bible même dit, vous chasserez des démons. Peuple de Dieu, à cause du nom de Jésus, parce que tu as crié à Jésus, aucun esprit ne pourra faire quelque chose dans ta vie parce que tu as une autorité en toi. Alléluia. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et des malades seront guéris. C'est le nom de Jésus qu'on parle. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, il y a certaines choses, c'est comme si c'est pour... Quand je regarde le monde actuel, c'est comme si c'est destiné pour nous, les pasteurs. Est-ce qu'ici, Dieu parle des pasteurs? La Bible dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ma sœur, mon frère, j'aimerais un jour, si tu trouves quelqu'un dans ta famille qui est malade, et la foi en Dieu, dis c'est l'accomplissement, parce que moi j'ai crié en Jésus. Impose-lui les mains et il soit guéri. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. À ce qui concerne la guérison, on n'a pas besoin de la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu dit déjà un mot, il ne revient pas en arrière pour le changer. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, il y a un jour qu'on a parlé ici, si on choisit un frère ou une sœur,
on dit que l'église t'a choisi, aller prier pour cette personne. Beaucoup disaient déjà qu'ils vont douter. Peuple de Dieu, ce n'est pas la taille ou ta grandeur qui fera quelque chose, mais c'est Dieu qui a crié le nom de Jésus qui fera quelque chose dans ta vie. Le nom de qui a crié, le nom de Jésus qui fera quelque chose aux malades. La Bible parle même loin Jésus. Il dit, vous allez boire certaines breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Peut-être tu dis que tu n'as jamais bu. J'aimerais te dire quelque chose. Dans la sorcellerie, on peut te faire boire quelque chose. On cherche ta mort, mais tu n'es jamais mort. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu n'as pas pris un verre de poison pour boire directement comme ça. C'est pas ça qu'aussi Jésus nous demande. Quelqu'un t'a cherché. Il t'a donné la nourriture, mais pas d'une manière correcte. Toi aussi, tu ne savais pas. Tu as mangé cette nourriture. Et lui-même, ou elle-même qui t'a donné cette nourriture, te regarde et dit, celui-là est toujours debout. Tu as mangé cela et cela t'a rien fait. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour décoller. Maintenant, pour mieux comprendre le pire d'enfantement, revenons encore dans la Bible, parce qu'on va aller rapidement dans la Bible, dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, pour mieux comprendre. Luc chapitre 1er, verset 28 à 35. Luc chapitre 1er, verset 28 à 35, j'ai lu au nom de Jésus. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » 29. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. 30. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Amen. Amen. Acclamé pour la parole de Dieu. Je suis en train d'aller doucement pour que vous compreniez. Ici maintenant, après peu de temps, ces mêmes périodes, parce que Jean-Baptiste était âgé, un peu âgé de Jésus-Christ, de quelque temps. L'ange a visité encore une femme. Voilà, l'ange commence à parler à cette femme. Il dit, je te salue Marie, pleine de grâce car le Seigneur est avec toi. Marie se dit, quoi? Quel est ce genre de salutation? Et l'ange lui a dit, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras au nom de Jésus. Marie se dit, quoi? Comment cela peut arriver? Moi, je ne connais pas d'homme. Mais je dois enfanter un fils. Ne crains pas, car l'ombre de l'Éternel sera avec toi et le Saint-Esprit sera avec toi. Alléluia. Amen. Alors, j'ai donné, maintenant nous avons des lectures d'un serviteur de Dieu, d'une femme qui était dans les lignées des tribus de David, que l'ange a visité. Entre les deux, pour qui est, l'ange lui a annoncé ce qui est impossible. Amen. Là, l'ange vient de parler, donner un message qui vient à Dieu, en lui disant que tu auras un fils, mais sans mari. L'autre a fait déjà des prières d'enfantement avant. Avant, il a fait des prières. Et l'ange lui apparaît pour lui dire que ta prière a été exaucée. Mais lui commence à faire des calculs. Marie aussi se dit, comment cela peut être possible? Parce que je ne connais point d'homme. Comment cela peut arriver? L'ange dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Et quelle était la réponse de Marie?
Marie a accepté la volonté de Dieu dans sa vie. Peuple de Dieu, si tu vois certaines choses impossibles, les premières choses pour que cela arrive dans votre vie, acceptez la volonté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le Dieu que nous prions n'a pas de limites. N'allez pas vers Dieu en disant que je veux telle chose dans ma prière. Et toi-même, tu demandes quelque chose, tu mets aussi des limites à Dieu. Tu veux quelque chose, tu vois la grandeur de ton problème et tu mets des limites. Or, selon la réalité que tu es en train de vivre, cela est possible. Tu n'as pas l'argent, il s'agit de trouver un travail, tu auras l'argent. Ce n'est même pas un miracle très compliqué que vous demandez à Jésus. Tu veux te marier, mais il s'agit de trouver une femme, tu vas te marier. Tu es déjà avec un homme, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne boite. Il s'agit seulement de prier, ta prière sera exaucée. Mais ici, l'ange a parlé à Marie. L'ange a dit à Marie ce qui est impossible. Elle n'était pas serviteur de Dieu. Elle n'était pas au temple. Elle n'entrait pas dans les lieux très saints. Mais elle connaissait de quoi est-ce que l'Éternel est capable d'agir dans sa vie. Peuple de Dieu, voyez Dieu, prenez Dieu dans sa grandeur. Tu ne mettras pas de limites à Dieu. Dieu est capable de faire des choses que les gens déclarent impossibles. Marie a compris une chose. Il a dit, j'ai vu l'ange, mais le problème, j'accepte. J'aimerais te dire, si tu acceptes la volonté de Dieu, si tu ne mets pas de doute, si tu crois à la volonté de Dieu, Dieu fera des choses que les hommes seront étonnés. Toi, tu seras tranquille, car tu sais que l'Éternel est capable et avec toi. Ne limitez pas Dieu. Peuple de Dieu, quand je vois certaines choses, j'aimerais que nous allons tous dans la foi puissante. Nous allons tous vers des grandes choses avec l'Éternel. Que nous le fassions tous des grandes choses pour que l'Éternel puisse se montrer dans cette ville de Saint-Brieuc. Alléluia. Amen. Mais il le fera avec toi. Il le fera avec toi. Ne regardez pas les limites. Ne fais pas des calculs. La Bible dit, des calculs des hommes ne correspondent pas à l'Éternel. C'est pour cela que je crois en toi dans une dimension impossible. Je crois en toi que Dieu peut faire de grandes choses en toi. Je crois en toi, Dieu peut te lever comme un servateur ou serviteur de Dieu. Je crois en toi, Dieu peut faire de toi une femme puissante. Je crois en toi que Dieu peut faire de toi un homme puissant. Je crois en toi, Dieu peut opérer des miracles par toi. Je crois en toi, car des miracles seront accompagnés avec toi. Je crois en toi, car des gens verront et que Jésus Christ est réellement vivant. Ce n'est pas le fait seulement d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié déjà autrefois que tu dois mettre des limites à Dieu. Si tu as prié autrefois que ça n'a pas marché, maintenant dis-toi, je crois, je ne mets pas de limites à Dieu. Je crois à un être suprême. Il le fera des choses. Il va m'accompagner. Si des autres ont fait, ça n'a pas marché. Maintenant, même s'il n'y a pas un homme, quelque chose qui va arriver chez moi, même si quelqu'un, il n'y a pas personne pour m'aider, quelque chose de Dieu va s'opérer à moi. Marie n'avait pas regardé si un homme sera là. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends que le Dieu que je suis en train de parler, ce Dieu-là savait que Joseph va être troublé. Ce Dieu-là savait l'histoire que Marie a vécue, il va être humilié. Ce Dieu-là savait, il a dit, sans l'accord de Marie, il est parti voir son mari, son fiancé, pour lui dire, ton fiancé a été visité par Dieu. Dieu ne te laissera pas que tu sois humilié. Oh, Dieu ne te laissera pas que tu sois rabaissé. Il sera là pour te défendre. Il a envoyé un ange. Écoutez, restez bien avec elle. C'est pour cela que tu vois, quand on dit Jésus, on disait fils de charpentier. Je te dis, toi aussi tu seras protégé par Dieu. Je dis, des gens feront des bénédictions pour toi. Des gens seront là pour que tu ne subisses pas l'humiliation. Des gens vont t'accompagner parce que Dieu est avec toi. Amen. Je parle de ces choses pour que quelque chose naisse dans ta vie. Amen. Vous savez, quand nous parlons de prière d'enfantement,
quand Jésus a laissé cette parole, parce que des disciples avaient un problème. Ils disaient que hey, Jésus est en train de partir. Comment nous allons finir? Jésus les a dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Peuple de Dieu, je vous dis toujours et j'aime toujours vous dire, Jean-Félix soit là, qu'il ne soit pas là, Dieu restera Dieu. Même aujourd'hui, si je ne suis pas là, Dieu restera Dieu. La Bible même dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je t'amène vers la puissance de Dieu parce que je te vois un homme et une femme très puissant. Dis, je suis très puissant. Alléluia. Il savait que les disciples vont être dans la tristesse. Il dit que je suis parti. C'est pour cela qu'il les a dit, voici des miracles qui t'accompagnent. Dis, quand je marche avec des miracles. Oh, dis, quand je marche avec des miracles. Si un démon vient, tu diras, sors. Si un esprit vient, tu diras, sors. Tu sais, si tu ne veux pas accueillir quelqu'un chez toi, la manière dont il sera chassé, lui-même va dire que je viendrai plus là-bas. Il y a des fois, si le démon fait un peu la tétitesse parce que tu lui dis, écoute, partez. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cette expérience-là. Depuis qu'il a dit à quelqu'un, ne mets plus tes pieds ici, d'une manière autoritaire, cette personne ne vient plus jamais. Vous n'avez pas vu ça, si le plan t'intéresse comme ça. Mais il y a des fois, il y a certaines choses de l'ennemi, tu lui dis seulement, partez, partez. Oh, Dieu me permet de témoigner. Je vais témoigner. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que quand les gens vont voir, ils disent, déjà dans cette église, ils ne sont pas fous. Ils sont, est-ce qu'ils sont normaux? Nous sommes normaux parce que nous croyons à un Dieu qui est supérieur, qui n'a pas de limites, qui est capable de changer, qui peut guérir, qui sauve. C'est pour cela que je déclare. Quelque chose dans votre vie doit changer au nom de Jésus. Je déclare que tu seras élevé au nom de Jésus. Je sais, je déclare, comme Jésus-Christ est vivant, des choses doivent ressusciter dans votre vie au nom de Jésus. Si tu aimes ça, clamez pour la gloire de Dieu. Amen. Mais, les mains trouées, les mains sèches, il ne peut rien avoir. On te place à l'église. Moi, je refuse ça. Parce que je te vois dans ta bénédiction. Amen. J'ai dit au début de cette œuvre, on ne me donnera pas des enfants perdus ou bloqués. Je veux que des enfants soient dans la liberté. Et vous, vous allez entrer dans cette liberté-là. Amen. Vous serez élevés au nom de Jésus. Amen. Même si tu as des doutes, c'est ma foi. Marie n'était pas serviteur de Dieu, mais elle croyait à ce que l'ange lui a dit, sans poser des questions. Oh, Saint-Esprit, si aujourd'hui tu vas perdre, c'est l'extermination artificielle. Dieu m'a dit, mais je vais aller voir un médecin quand même pour qu'il me fasse l'extermination artificielle. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu.